ne perçoit dans la maladie qu'un autre appel à l'amour et offre à ton frère ce qu'il ne croit pas pouvoir s'offrir lui-même. Apprends à rester calme parmi le tumulte, car la quiétude est la fin de la dissension. Chaque fois que tu te fâches contre un frère, quelle que soit la raison, tu crois que l'ego doit être sauvé et sauvé par l'attaque. Tu n'as aucun contrôle sur le monde que tu as fait. L'effort n'attaque pas parce qu'il ne voit pas le besoin de le faire. Les résultats de tes actions, tu peux les voir. Quand tu ne voudras que l'amour, tu ne verras rien d'autre. Prenons une minute ou deux pour respirer et retourner notre attention à nous-mêmes. Je vous avertirai de la fin par la petite clochette.